même si c'est un cauchemar, c'est bon de faire des rêves. Les morts ne rêvent pas. Un homme mûr cache, sous l'apparence de la respectabilité, une passion secrète, un désir inavouable, et finit par être lui-même d'un dévouement qui autorise toutes les compromissions. Où va cette ravissante personne? Elle va chercher un fiancé. Eh bien, il est tout trouvé, ma jolie. Trop vieux. Moi, dans les affaires d'amour et de femme, je ne pense pas qu'il y ait un péché quelconque. Oh, et les 10 commandements? Je les respecte tous, sauf ceux qui ont trait aux questions sexuelles. Oh! Tristana. Mmh. Une adolescente sensible, fraîche, idéaliste, qui rêve d'un amour pur et contrainte d'accepter la réalité sordide d'une liaison équivoque. Embrasse-moi. Non, pas comme ça. Qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Va-t'en. Ce n'est pas mon tuteur. C'est mon mari. Le vieux cochon. Et toi, comment en es-tu arrivé là? Et je t'ai déjà raconté ma vie. Quand il m'a recueillie, j'étais innocente. Le reste, tu l'imagines. Va-t'en. Va-t'en. Ta mère t'a confié à moi. Et je t'assure que je suis décidé à défendre ton honneur. Tu viens me parler d'honneur, toi? Mais c'est toi qui me l'as enlevé, tu m'as perdu. Si ma mère revenait, qu'elle voyait ce que tu as fait de sa fille. Pour commencer, ficher le camp d'ici et ne repasser jamais dans cette rue. Je suis le tuteur de cette jeune fille. Le tuteur? Elle m'a raconté que vous étiez une espèce de vieux salaud. Tristana, une femme devenue prisonnière de son destin, condamnée à se sacrifier, à subir un amour qui l'avilit chaque jour davantage. Tristana, le dernier film d'un des maîtres du cinéma, Luis Buñuel, sans doute le plus mûr et le plus achevé, a été salué comme son chef-d'œuvre au Festival de Cannes.